Bismillahir Rahmanir Rahim. Osons le dire, une chose est sûre et certaine, c'est que rien de mieux que l'islam n'est jamais entré en France. Encore faut-il se tourner vers l'islam authentique et non pas vers la secte des frères musulmans ou ses progénitures, comme les sectes qui se font appeler Daesh ou Al-Qaïda ou Jabhat al-Nusra ou Ansar al-Sharia ou autres. Quand on se penche sur les personnalités qui ont plus ou moins marqué l'histoire de la France, on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'ont été des réformateurs, ni Charlemagne, ni Molière, ni Voltaire, ni Rousseau, ni Bonaparte, ni Jules Ferry, ni Ernest Renan, ni Charles de Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac, ni autres. Ils n'ont pas su réformer et ne pouvaient pas. Ceci, car la base de la réforme, c'est de croire en Allah et en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'appel à cette foi, c'est un appel au paradis, au cœur de la société. Et si les gens ne croient pas en l'au-delà, alors donc, ils n'auront pas peur de s'attaquer les uns les autres et d'être injustes les uns envers les autres. Il n'y a pas de réforme sans piété, et cela demande des efforts, comme sortir de l'ignorance. Ces derniers jours, il y a des intrus qui discutent d'un projet de loi pour interdire la prédication subversive. Et cela laisse libre cours à des amalgames avec l'appel à l'islam authentique. Car les députés ne donnent pas de critères aux juges pour distinguer entre la bonne prédication et la prédication subversive. Si le mot subversive est l'adjectif que vous avez choisi pour qualifier la prédication qui est néfaste et mauvaise pour les gens, quelle est donc en opposition la prédication qui protège les gens de ce mal et qui mérite d'être encouragée et qualifiée des plus beaux qualificatifs? Mais pour ne pas régler ce problème, ils se réfugieront derrière la laïcité et diront qu'il ne faut pas porter atteinte à la liberté d'expression. Et pourtant, leur démarche prouve bien qu'ils reconnaissent que la liberté d'expression ne peut pas être illimitée. Et il faut obligatoirement revenir aux lois d'Allah, le Seigneur Tout-Puissant, pour juger de ce qui est religieusement bon pour les gens ou mauvais. On peut aussi dire que l'échec de la démarche des députés est une preuve éclatante et flagrante de la fausseté de la laïcité. Réfléchissez sur la situation de la société et voyez à quel point l'islam est une solution et non pas un problème ou un danger comme ont prétendu certains députés. Et aussi, c'est une posture tout à fait ridicule que de vouloir chercher la satisfaction à la fois des musulmans français et des mécréants.